il y a des gens qui s'imaginent déjà que parce qu'il a prêté serment, parce qu'il a l'armée, parce que... Mais c'était ça le but même du combat. Ils pensent que c'est déjà fini alors que ça vient juste de commencer. Bandisiko. Et on a beaucoup de frères qui commencent à désespérer, qui ne voient pas comment s'appelle les choses bouger à Kinshasa. J'ai une vidéo qui est sur ma page Facebook où vous voyez toute l'opposition congolaise, au moins une quarantaine de personnes. En face d'eux, vous voyez les ambassadeurs. Ils parlent deux langues différentes. Quoi qu'il se passe, le combat doit continuer, Kabila doit partir. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, que Tshisekedi soit président ou pas, Kabila doit partir. Ça, on ne doit pas l'enlever de notre esprit. Que Tshisekedi soit président ou pas, nous devons continuer le combat jusqu'à ce qu'il s'en aille. Comme Miguel, tout sur le compte en anglais. Revenons maintenant sur vraiment cette réunion. Nous allons l'organiser dans une salle sur Paris. Nous allons faire venir des gens de Marseille, de Lyon, de Lille, de Bordeaux, de Bruxelles, etc. Ça va vraiment être l'union des Congolais autour de la femme congolaise. Et on va vraiment parler de nos stratégies, comment nous, les Congolais de la diaspora, comment nous, les combattants, ce que nous prévoyons. Voilà, nous allons critiquer un certain nombre de choses. Nous allons faire des propositions au président élu. C'est lui le président élu. Par exemple, une des propositions que je prends au hasard sur l'Assemblée nationale, comme il a dit que le président, il allait, cette Assemblée nationale et ces élections législatives n'existent pas, donc on va faire des nouvelles élections législatives, il est important que nous puissions travailler entre les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Angleterre sur une proposition d'une centaine de candidatures issues de la diaspora. Il n'est pas normal que Nakata, il y a parlement sur les 500 places, Mutumuka diaspora Zaté. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de la diaspora, non, mais quelqu'un qui est élu, choisi par la diaspora pour siéger à l'Assemblée nationale congolaise. Comme ça, quelqu'un qui va défendre les intérêts des Congolais qui sont à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pour la simple et unique raison, le budget de l'État congolais, c'est 4 milliards. Le budget des Western Union et compagnie, c'est 4 milliards. On a autant de pouvoir que le gouvernement congolais. Tu vois ce que je veux dire? On a autant de pouvoir que le gouvernement congolais. Donc, moi, maintenant, je vais faire passer la parole. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Si vous avez des idées à apporter là-dessus. Moi, dès la semaine prochaine, je pourrais vous dire dans quelle salle, comment ça s'appelle, les créneaux, les dates. Il y aura un politicien français aux idées, qui se présente aux élections présidentielles, qui viendra. Et qui viendra pas pour nous soutenir. Pas pour nous soutenir parce qu'il n'ira pas contre la voix de la France, mais qui viendra pour nous voir, pour nous encourager, pour soutenir les femmes, la femme congolaise, etc. Donc ça sera simplement, en termes de communication, quelque chose qui va vraiment rebooster les Congolais. Donc je veux faire passer la parole. Qui veut? Moi, c'est déjà au niveau de l'autre porte qu'on avait frappé en termes de politiciens. La deuxième porte, on a suivi une procédure et ils ont répondu. Elle est emballée par ce qu'on lui a proposé. Ah, je ne savais pas. Il m'a écrit hier et il m'a demandé de le rappeler justement. Donc je vais le rappeler demain pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mais maintenant, comme on prend déjà un chemin par rapport à l'autre monsieur, Je pense qu'il faut qu'on continue sur les deux. On continue sur les deux. D'accord. Je pense qu'on ne peut pas, si on a la possibilité d'avoir deux personnes, deux politiciens françaises au présidentiel, ça ne dérange pas. Il faut qu'on continue. S'il y en a qui, après on verra vers la fin, c'est qui a été le plus crédible, ou c'est qui a répondu positivement, machin, tout ça. Bon, voilà. On n'est pas en train de faire du sentiment. Hein. Nous, on ne les choisit pas parce qu'on prend à eux, on les choisit parce que. On a envie de défendre nos intérêts. Voilà, les Congolais ont la possibilité de voter en France. Il faut qu'on fasse entendre notre voix. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous permettre aujourd'hui de parler des problèmes qui est au Congo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis plus par rapport à la salle. La salle grecque, c'est quoi? Grand Rex, c'est quoi? Grand Rex, sur le Grand Boulevard. C'est sur le Grand Boulevard, comment s'appelle, pas très loin de Strasbourg, Saint-Denis. C'est une salle mythique qui prend presque 3000 personnes et elle est magnifique. Si tu veux, je
peux te la montrer là sur internet. Mais même si j'ai sur internet après. Mais le problème c'est que 3000 personnes. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que tu remplis ou pas? C'est ça, parce que les gens qui vont se déplacer au Tahir et tout ça, peut-être que vous allez en avoir envoyé moi à 2-3 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas que ton père déplacé va voyer et délai va mouton. Mais après les gens. C'est que même ce barotine va représentant. On peut avoir 3 personnes par exemple à des Lyons, 3 personnes de. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant après, par rapport à ici, sur place, est-ce que tout ça a des nombres pour la. Parce que moi je préfère encore. Je propose en fait, tout à salle Moko, où il y a la place MK, maintenant, si vous avez des délais, vous avez la place, tout ça vraiment, et ça, là, qui ont dit, vous avez des délais, si vous avez ça, vous avez des délais, tu vois ce que je veux dire? Donc, tant mieux qu'il y ait plus de personnes que nombre de places, que tout ça a plus de places que nombre de personnes. À combien tu estimes toi les la mobilisation des gens quand tu dis petite salle, tu estimes à combien de personnes? Bon, personnellement, il faut estimer déjà toute la salle mauvaise en a tous à la temps là-bas, plus de 1000 personnes, je sais pas. 1000 personnes. Ouais. Dans les manifestations qu'on fait à Paris, lorsqu'on fait Château Rouge, République, on a combien de personnes en règle générale? Ça dépend des manifs. Hein. Mais pour une manif réussie à Paris, c'est une manif réussie à Paris, environ c'est 3000 personnes. Et des fois, on est à 500, 800. On n'arrivera jamais. Hein. Je ne sais pas, mais c'est 3000, c'est beaucoup. 3000, c'est le maximum. Oui, genre, pour les manifs, oui. Mais dans la salle, pour 3000 personnes. Mais si on travaille, voilà. C'est, on prépare depuis. C'est un travail de fond. On communique dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger manif et une conférence. Dans la conférence, on est en salle. Les gens sont plus à même à se déplacer. Et quand ils se déplacent, à un ou deux ou trois, même plus. Nous, quand on va à la manif, si vous regardez bien, en règle générale, c'est les gens de notre génération. Mais dans tout ce qui est conférence de presse ou quoi que ce soit, c'est toujours. Il y a les parents, il y a tout le monde qui se déplace. Il ne faut pas viser simplement que notre génération. On aura un public différent. On aura plusieurs fois. Moi, j'ai bien dit. Le problème, c'est que on peut faire beaucoup. Trop dans un bateau bébé. Ça, c'est pas un problème. Parfois, c'est déplacé bébé. Mais si ça se fait que tout ce sale mot, quoi, on est dans la place et bébé. C'est déplacé bébé. Mais tu vas mon anité. Par exemple, Stade de Martyr, admettons. Par exemple, Stade de Martyr, à un moment donné, sur une bataille et tondité, il y a deux places qui se voient. Il y a une place Oyo, moi, la place les Anaki. Ça va bien être par rapport à ce qui va être tondi. Donc, si tu reçois ça, Moko, Oyo, plus tu tondis ça. Parce que plus tu tondis ici, plus il y aura des images qui vont déborder dehors, tout ça. Par rapport à ça, moi, j'ai juste une remarque à faire. Ouais. Quand il y avait la dernière conférence de l'UPS qui s'était tenue, vous avez choisi une salle qui n'était pas suffisante en termes de place et ça a créé des bousculades, etc. Moi, je suis pas pour. Parce qu'il y a des gens en fait qui sont partis à cause de des bousculades, qui ont fui. Donc peut-être trouver un juste milieu. C'était. C'est que un événement comme ça, tu sais, faut pas non plus. Aujourd'hui, les Congolais, on est capable de remplir les zéniths, on est capable de remplir les Bercy, etc. etc. Ils visent même le stade. Demain. Ça c'est, on prépare ça sur un mois, en mettant avec nous toutes nos puissances, toutes nos forces, de tous nos frères de Londres, de Belgique, du Canada, des États-Unis. Il faut qu'on ait des gens qui viennent de partout, de tous ces endroits-là. On le remplira. On une délégation. Et maintenant, après, il faut qu'on se mette d'accord sur le chiffre, parce qu'il y aura une campagne. Il y aura une campagne. On sera soutenu par les Congo Miki, Congo Namboan, etc. Parce qu'on va leur permettre aussi ce jour-là, dans notre salle, de pouvoir, je ne sais pas, avoir des pancartes où ils vont pouvoir faire leur publicité, etc. Les chaînes comme Vox TV, les chaînes comme Télésud. On va prendre des partenariats, des gens qui vont faire la promotion de notre truc. Il y aura les distributions de tracts, il y aura les affiches, etc. etc. Donc, de plus, par rapport à ça, c'est la raison pour laquelle, depuis tout à l'heure, j'avais besoin d'une date pour pouvoir me faire une idée de quelle manière on allait procéder pour communiquer et sensibiliser. Il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pas que la communauté congolaise qui sera conviée là-bas. Malgré que ce soit la journée de la femme congolaise, tu as aussi tous les frères qui sont de tous les mouvements panafricains. Il y en a beaucoup.
qui sont intéressés et qui regardent aussi le problème du Congo. Mais dans ces mouvements panafricains, tu as aussi des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, comme la dernière fois à la conférence. Ils sont là, ils nous suivent. Ils sont là pour nous appuyer, pour être là, parce qu'ils savent que notre problème, lorsqu'il sera résolu, il permettra à tous les autres pays qui sont tout autour de pouvoir résoudre aussi leurs problèmes. Donc ils seront là aussi pour nous appuyer. C'est des personnes aussi à ne pas négliger. Parce que la majorité de nos mouvements et de nos manifestations, on ne convie que les Congolais. Mais rien qu'entre Congolais, déjà, on est énormément. Beaucoup de monde. Mais nous avons aussi ceux du Maroc qui nous appuient aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, nos amis qui nous avons aussi. Ceux de Côte d'Ivoire et ceux du Sénégal. Et ceux du Sénégal sont en train d'arriver avec ce qui est en train de se passer au Sénégal. Exactement. Tous les anti-Ouad et tous sont en train de se réveiller pour nous soutenir. Mais oui, moi je voulais dire ceci par rapport à ce que mon frère vient de dire. Moi je soutiens quand même son idée. Et deuxièmement, ce que tu viens de dire là actuellement, moi je pense que ça pourrait être mieux peut-être. On change les thèmes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que à chaque fois, je répète, moi, je suis dans les manifs, je suis sur les terrains. Moi, mon combat, je suis chaque fois sur les terrains. Je sais et je vois ce qui se passe. Donc, je vous dis, nous, nos manifestations, il n'y a que les Congolais. Mais moi, personnellement, je suis en train aussi de faire un grand travail de mon côté, dans mon travail, tout ça, pour faire conscientiser nos frères africains. Si nous essayons peut-être de changer le thème, pour essayer d'attirer d'autres Africains, je pense qu'à ces moments-là, nous arriverons à faire des 3000. Parce que comme dernièrement, moi, personnellement, j'ai fait venir des Ivoiriens que j'ai travaillé avec, c'était les pro-Bagour. C'était la manif qu'on avait, la dernière manif qu'on avait fait à République Machin. J'avais au moins une vingtaine déjà. Mais ils étaient là, les gens ne les voyaient pas. Mais je les ai fait venir. Moi-même, je fais mon décret, je vais m'envoyer. Parce que ce sont les gens qu'on discute comme ça dans le boulot, et voilà. Ils soutiennent ce que les Congolais sont en train de faire. Et si au moins nous avons essayé de jouer sur le thème, à ce moment-là, peut-être nous arriverons. Après, moi, je reviens aussi dessus, c'est que il ne faut pas qu'on se voie petit. C'est-à-dire que quand on dit on va faire 2-3 000, il faut qu'on se donne les moyens de faire 2-3 000. Ouais. Si on commence à avoir peur, à dire non, on ne pourra pas ou quoi que ce soit, non, on se rabaisse. On doit se voir grand et on doit se comporter comme des grands. Non, je finis maintenant par rapport à ce qu'il faut faire. En termes de stratégie, ce que toi tu me dis par exemple, que si la salle elle nous manque, as-tu déjà fait par exemple des conférences où la salle elle est trop grande et il y a peu de gens à l'intérieur? As-tu déjà revu les images qui t'apparaissent après? Les jeux d'image se font facilement. De Villepin, quand il fait son investiture, De Villepin, la salle n'est pas pleine. Mais quand ça passe à la télé, tu crois qu'il y a la bagarre dehors, tu crois que c'est plein. Nous, on est dedans, on peut même se balader, on peut se promener. Donc, à partir de là, il faut qu'on se donne. Il ne faut pas qu'on se dise, non, on doit remplir tant. On va faire les invitations. Il faut qu'on se donne. Parce que c'est gratuit. Hein. Nous payons la salle. Mais oui, moi, c'est pas. Nous payons la salle. La salle, il faut qu'on. Nous payons la salle, mais l'entrée est gratuite. Il faut qu'on se donne. C'est ça qu'il faut savoir. Et il faut qu'on se donne les moyens de revenir à la saison. Par la solidarité des combattants. C'est ça. On peut bien le faire. On en discute. On peut même le remplir, je sais pas comment. Mais. Dans les stratégies aussi, il y a certains points qu'on doit tenir compte. Parce que comme tu viens de dire, là, l'image et tout, toute la simple image, ça peut apparaître autrement. Comment est-ce que Benjamin a dit sur place? C'est aussi une très bonne idée, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, l'objectif est là, okay, il faut... Pour trancher, comme ça va me permettre aussi, parce que de ne pas investir dans une salle qui soit trop grande, machin. Voilà. Donc je ne sais pas, je vais faire passer la parole à tout le monde. On va couper la poire en deux, entre 1500 ou 3000 personnes. Mais vous savez qu'il y a des salles, vous savez qu'il y a des salles de cette contenance-là. Palais des congrès, comment s'appelle Même le Rex, Georges V, il y a le Rex, etc. etc. Il y a des salles, il y a des salles en plein Paris. Donc je ne sais pas comment vous voyez, 1500 ou 3000. Bon, moi j'ai voté pour 1500. 1500. Ouais. 1500. 3000.
3000 à la condition qu'on repousse, c'est-à-dire qu'on ait plus de temps pour préparer, pour lancer les invitations, pour sensibiliser les gens, pour se déplacer notamment en province. On n'aura pas l'opportunité de repousser ça, par exemple, jusqu'au mois de mars, parce que l'actualité, elle est trop chaude. Non, mais la date, c'est quand se traite fin février. Ça sera, entre le 5 et le 20 février. On doit remettre du boom dans la communauté. 1500. Dès le week-end prochain, il faut qu'on soit tous sur le Québec. Mm-hmm. Moi, 3, moi, je vise le plus haut. 3000 1500. Ah non, moi, 1500. Je leur donne un, tu sais, viser 3000. Même si on n'atteint pas les 3000, on aura déjà dépassé les 1500. On sera bien à 1005. Si on vise 1005, on va arriver à 1005. C'est ça, c'est comme ça que... comment viser 6000? Non, mais on vise 1005 de transport à la salle. Mais après, si on a plus, tant mieux. Il faut qu'on fasse tout le monde. Ma question était purement financière par rapport à la salle. Il faut penser à la finance. Vaut mieux peut-être se faire sortir les montants d'argent européen pour trouver une salle de 1500 que les 3000 qu'on ne fera pas. Essayez de jouer un peu par rapport à ça. L'image, les techniciens ils vont essayer d'arranger comme d'habitude. Mais le problème, nous aussi, c'est les coûts. Oui, c'est le coût. C'est les coûts. Il faut jouer par rapport à ça. Bon, donc, je pense qu'on a fait le tour de tous les problèmes. Moi, cette semaine, je vais vous tenir au courant au niveau de la salle, combien ça coûte. Et j'attends toujours les idées de tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça par email. Les choses auxquelles vous pensez par rapport à cette journée-là. Et toute cette semaine, je vais rencontrer ces politiciens, je vais mettre en place un certain nombre de choses et je vais vous tenir au courant. Il y a 4 personnes pour samedi, c'est d'après ce que j'ai compris, pour Lyon. Mm-hmm. D'accord. S'il y a d'autres personnes qui se libèrent ou qui ont une disponibilité pour samedi prochain, il est important d'aller voir les Congolais là où ils sont. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous voir. Bon, si ça fait 4 membres du BPK, je crois qu'il y en aura 2, 3, 4 qui vont venir pour samedi. Il y a d'autres combattants aussi qui vont venir. Il faut impérativement que Paris aille rencontrer la diaspora un peu partout. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout. Juste approcher la réunion. Ingeta. Vous revenez quand de Lyon? On va partir. On va se réunir. Parce que sur Skype, on arrive à faire pas mal de choses. Attendez. On les accueille d'abord. Elle est la bienvenue. Merci d'avoir porté intérêt au BPK. Merci d'avoir, avant toute chose, de vous être senti concerné par la cause du Congo et de pouvoir faire bouger les choses chez nous et qu'enfin on puisse sortir de cette période de crise qui est une période de crise sans précédent. Comment m'aider là? Tout sur le bord, on a un clair. Alors, pour cette réunion, je vais commencer par vraiment la base, ce qui était la base de la base, ce qu'on m'a fait à moi comme faire aider le BPK, c'est-à-dire vous dire quels sont les principes du BPK, parce qu'on a des principes, on en a 12. Et en fait, pour pouvoir adhérer au BPK, il faut être en accord avec ces principes-là. Si vous sentez que c'est quelque chose, il y a certains éléments qui ne vous ne concernent pas, dans ce cas-là, c'est à vous de voir si vous voulez. Après avoir présenté les principes, je ferai un tour pour présenter le reste de l'équipe. Et ensuite, vous aurez aussi l'opportunité de vous présenter et de dire plus en avant qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous intéresser au BPK. Quels sont vos objectifs et qu'on puisse voir en fait si tout concorde. Donc, le premier article, être un BPK, c'est aimer le pays de nos ancêtres, le Congo, le protéger et le servir avec loyauté. Article 2, être un BPK, c'est porter un message universel de liberté et de justice. C'est combattre, article 3, c'est combattre avec force toute forme d'injustice faite aux êtres humains à travers le monde. Article 4. C'est un engagement clair contre toute forme de violence sexuelle faite aux femmes, à nos sœurs, à nos mamans et à nos filles. C'est apporter aide et assistance à tout compatriote congolais à travers le monde. Ensuite. Article 6. C'est défendre notre idéologie, ce socle commun qui nous réunit.
Un BPK, c'est avant tout un Mwana Mboka, un patriote, un Congolais, quelle que soit sa deuxième nationalité. Être Congolais, c'est d'abord avoir l'amour pour cette terre qui nous a vu naître, la terre de nos ancêtres. Article 8. Être un BPK, c'est défendre la démocratie réelle et la liberté d'expression, donc la justice. Donc un BPK, c'est un Mwana Mboka, un patriote, quelqu'un qui aime le Congo. Donc ça veut dire que dans Patriote, on veut aussi, comment dirais-je, avoir avec nous des personnes qui vont s'élever contre les antivaleurs, contre toutes ces choses en fait qui font que notre pays est en train de sombrer dans un gouffre sans fond. Est-ce que c'est suffisamment étayé? C'est bien ça. Article 8, c'est défendre la démocratie réelle et la liberté d'expression, donc la justice. Pour l'article 8, il y a vraiment un élément sur lequel j'aimerais appuyer, c'est la justice. On sait combien le Congo est un pays corrompu. Donc, il faut avoir à cœur vraiment de défendre la justice au Congo, de s'engager dans des actions justement qui ont pour but de promouvoir la justice au Congo, parce que c'est aussi le socle. Si on n'a pas un État juste, si on a toujours des gens corrompus, on ne pourra pas avancer. Tout ce qu'on va mettre en place, ça va péricliter. Est-ce que vous voulez commenter? Non. Article 9. Être un BPK, c'est avancer sans oublier son objectif. Un grand Congo libre et démocratique aux mains de ses enfants pour l'intérêt du peuple, quels que soient les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Alors, pour l'article 9, la partie que j'aimerais vraiment souligner, c'est un grand Congo libre. C'est-à-dire qu'au BPK, on va être ambitieux. Il ne s'agit pas seulement de sortir de cette situation de crise et d'urgence, mais de se projeter et de porter un projet ambitieux pour le Congo. J'espère que c'est aussi quelque chose qui vous parle. Article 10. Être un BPK, c'est défendre les hommes et les femmes avec les armes s'il le faut. Et donc, on se doit de libérer le Congo aux dépens de sa propre vie et celui de sa famille. Pour moi, c'est très explicite. Article 11. Être un BPK, c'est défendre la culture congolaise, les valeurs bantoues et les rites ancestrales. Sur la culture congolaise, on a beaucoup à dire avec les artistes qui ont quand même pas mal perverti notre culture à travers la musique. Il y a eu beaucoup d'excellentes productions, mais il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont sombré dans des dérives condamnables. Et qui nous relance à un autre article concernant les violences sexuelles faites aux femmes. Quand on voit ce que les artistes congolais font avec les femmes congolaises, aujourd'hui, je ne sais pas quel parent congolais peut être fier que sa fille soit danseuse, alors qu'ici, on a des danseuses étoiles qui sont vraiment acclamées. Au Congo, être danseuse, c'est être prostituée. Donc, voilà. C'est défendre la culture congolaise, c'est-à-dire revenir sur l'excellence. Parce qu'on a, moi, je trouve qu'on a une production, on a une diversité qui font qu'on a une culture qui peut être excellente. Et qui rayonne à travers l'Afrique d'une manière aussi... c'est pas tous les musiciens qui sont connus comme les musiciens congolais. Donc, voilà. À nous de défendre cette culture. Article 12. Être un BPK, c'est être un homme ou une femme qui est au service du peuple et qui voit dans l'homme l'œuvre de Dieu. Alors c'est un homme ou une femme qui aime la nature, les plantes et les animaux. Celui-ci, je vous laisse les commenter parce qu'en général, il suscite des commentaires. En général. La nature. Donc toi, t'es pas nouveau. Ah, voilà. Et pourquoi pas Dieu? Alors? On a posé une question. Pourquoi Dieu? Pourquoi pas Dieu là, si... Ah oui. Alors on lui pose une deuxième. Elle pose une question aussi. Il n'a pas reçu la réponse à sa question. D'accord. Pourquoi Dieu? Parce que quand on pense que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est lui qui nous a créé, c'est lui notre origine. Donc voilà. Pourquoi ne pas le laisser dans le privé? Pardon? Pourquoi ne pas le laisser dans le privé? Dans la sphère privée. Mm-hmm. On ne parle pas de religion là. On parle de quelque chose qui est commun, surtout qu'on voulait. Nous sommes entre parenthèses, nous sommes tous des croyants. Et on pense qu'au-dessus de nous, il y a une puissance supérieure, qu'on appelle Dieu, qu'on peut appeler d'un autre nom. On n'impose pas une religion à qui que ce soit. Mm-hmm.
pouvez être bouddhiste, musulman, n'importe qui. Toutes les personnes qui croient en Dieu croient à l'œuvre de Dieu. Et on pense que ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont ces gens-là justement qui tuent, qui violent, qui assassinent, et qui ne croient en rien. Sauf à leur propre Dieu, c'est-à-dire leur vente, l'argent, leur vente, leur famille. Ça peut être l'objet d'un débat.